Un robot qui atterrit, si l'on peut dire, sur Mars, où la Terre, si l'on peut dire, n'est même pas rouge, nous envoie les premiers sons martiens du vent. Et ça, le jour même où Daft Punk nous annonce sa séparation, sans souffler mot. C'est clair, la NASA et Universal sont de mèche pour transmettre un message. Le rover martien s'appelle Persévérance, du latin per, qui signifie au-delà, et severare, qui signifie sévère, austère. On retrouve cette expression d'ailleurs en latin lorsque l'on dit errare humanum est, perseverare diabolicum, ce qui veut dire l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Le robot qui, soi-disant, explore Mars n'est en fait qu'un messager pour convaincre les deux musiciens casqués de revenir sur leur décision. La mission martienne, en fait, n'a pas pour but de trouver la vie sur cette planète, mais de faire céder les Daft Punk. Et on peut espérer entendre un jour le robot diffuser « One more time ». Dans les rêves les plus fous des véritables instigateurs de cette opération. Et qui peut se trouver derrière l'ambition d'aller au-delà de cette sévérité, de cette austérité, sinon la puissante ligue des DJ confinés. I'm running, I'm running, I'm running, I'm running, I'm running.